Allez, c'est bon, continue. Non, les gars, j'ai vraiment essoufflé. Oh, ça doit être grave. On dirait un problème de respiration. Je suis essoufflé. J'ai un poids de côté, ou je sais pas moi. Mais c'est très simple. Comme l'a dit le grand et génialissime Einstein, c'est un mouvement moléculaire de dioxygène, autrement dit O2, qui parcourt les bronches, les bronchioles, jusqu'aux infimes alvéoles pulmonaires. Puisque vous courez, votre corps a besoin de plus de dioxygène. En battant plus vite, ton cœur essaie de répartir ce dioxygène pour tout ton corps. Tes muscles travaillent plus, ainsi que tes poumons, ce qui a entraîné ton essoufflement. Évident, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on aille voir ma cousine. La respiration, c'est trop facile. Imaginons que tes poumons soient comme deux ballons gonflables. Imaginons que ces ballons soient reliés à un tuyau en Y. Imaginons que cet ensemble est passé dans une cloche appelée cage thoracique. Imaginons qu'elle est fermée en bas par une membrane élastique appelée diaphragme. Quand le diaphragme se contracte, il fait un appel d'air. L'air entre par la trachée et remplit les poumons. On inspire. Quand le diaphragme se détend, l'air ressort. On expire. C'est ça la respiration. Si tu as du mal à respirer, c'est que tu as un banal pan de côté, donc respire mieux et tout ira bien. Encore une explication à couper, s'il vous plaît.